Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici Zagreb, le stade Maksimir à Zagreb, la deuxième ville de Yougoslavie, où vous pénétrez sur ces images de la télévision yougoslave, afin de pouvoir suivre la première mi-temps de la rencontre opposant Dinamo Zagreb à l'Olympique de Marseille, match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Le match a débuté à 18h exactement, c'est-à-dire que l'on joue depuis 10 minutes maintenant. Le score est toujours vierge, 0-0 entre les deux formations. Il a plu toute l'après-midi ici à Zagreb. La pluie a maintenant cessé heureusement, mais le terrain est évidemment très glissant. Les 22 acteurs ont quelque mal à tenir sur ce terrain assez glissant. Pour en revenir à parler de cette rencontre, je voudrais vous signaler que lors du match aller disputé au Stade Vélodrome de Marseille, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Un but de Loubet et de Terzek pour les Yougoslaves. Les deux équipes donc avaient fait match nul. Autant dire que les Yougoslaves avaient toutes les chances de se qualifier pour le tour suivant. D'autant plus que les buts marqués à l'extérieur comptent double. Je vous donne assez rapidement la composition des deux équipes, en vous rappelant qu'elles sont à égalité toujours 0-0 après 11 minutes de jeu. Pour l'équipe de Dinamo de Zagreb qui joue en maillot foncé à droite, alors que l'Olympique de Marseille joue en maillot blanc, culotte blanche. Dans les buts, Dot Begovic, à l'arrière, Svek, Ramiak, Blaškovic, Glashanin. Alors qu'il y a une attaque extrêmement dangereuse menée par l'ailier gauche Rora, qui peut-être amener le premier but pour les Yougoslaves. C'est l'ailier droit qui se fait prendre la balle, Vabes, qui se fait prendre la balle. Nouvelle offensive menée par le Marseillais, le ballon ne sort pas en touche. Je termine la composition de l'équipe yougoslave en milieu de terrain. Belin, le numéro 4, un très très grand joueur. Guts Mirtel, numéro 10, Piric, numéro 8, attaquant de droite à gauche, Vabes, le 7, Novak, le 9, Rora, numéro 11. Pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, dans les buts escales, arrière, numéro 2, Lopez, numéro 3, Odoul, 4, 24, 5, Djorkaeff, en milieu de terrain, Novi, le 6, Merchel, 7, attaquant de droite à gauche, Loubet, numéro 8, Bonnel, 9, Joseph, 10, et Destrumel, numéro 11. Un tir bien arrêté, heureusement, par Escal. Il faut dire que les Yougoslaves se montrent très dangereux depuis le début de cette rencontre. Une rencontre qui a débuté il y a exactement 12 minutes. Toujours 0-0, c'est Joseph qui est en position du ballon, qui a voulu transmettre à Bonnel, voilà qui est fait. Bonnel à Jakinovi à sa droite, il lui a donné le ballon. Vous avez remarqué dans la composition de l'équipe marseillaise qu'il y avait deux absents. Magnussen qui est toujours blessé au genou, une blessure contractée lors du match Suède-France au Parc des Princes. Il est en ce moment à Paris, entre les mains du soigneur Émile Vanhoneau. Nouvelle offensive menée par l'arrière-gauche, un centre, l'arrière-gauche yougoslave, un centre qui est récupéré par le numéro 8, Piric. Le ballon parvenant dans les bras d'Escal, qui va pouvoir dégager son camp le plus loin possible. Les remplaçants pour l'équipe de Marseille étant Delaché, Casolari et Scotty. Je vous disais qu'il y avait deux absents dans l'équipe de Marseille, Magnussen blessé, puis également Scoblar, transféré à Marseille le 11 novembre. En effet, le règlement de la Coupe d'Europe ne lui permet pas de participer à ce match. Le règlement stipule qu'aucun joueur ne saurait être qualifié pour une compétition internationale sans avoir entamé la saison avec son club. C'est pour cette raison que Scoblar n'est pas avec ses camarades de l'Olympique de Marseille. L'arbitre de cette rencontre, je ne l'ai peut-être pas encore signalé, il s'agit de M. Roussef qui est bulgare, il est assisté de M. Geloff et Nicolas. Dans l'équipe de Zagreb, il y a deux changements par rapport à l'équipe de Marseille. C'est pour l'instant, bien sûr, les Yougoslaves qui ont le plus souvent le ballon, mais les Marseillais se défendent très bien, ils laissent venir et leurs contre-attaques peuvent être dangereuses sur un terrain glissant, notamment Joseph, servi dans de bonnes conditions, peut profiter des erreurs de la défense yougoslave. Mais évidemment, il faut que cette défense yougoslave en commette. Et elle n'a pas du tout donné l'impression de pouvoir en commettre au cours du match aller à Marseille le 13 novembre. Un arrière très
dernière fois Gretschanin. Gretschanin qui avait fait un très bon match à Marseille au Stade Vélodrome, appuyant très très souvent ses attaquants. Nous avons des petits problèmes de liaison ici entre la Yougoslavie et la France et c'est au téléphone que je suis obligé de vous commenter ces images. Ce n'est évidemment pas très pratique. Si les deux équipes faisaient match nul à la fin du temps réglementaire, eh bien l'Olympique de Marseille serait match nul 0-0, l'Olympique de Marseille serait éliminé, alors qu'un match nul de 1 partout, et l'on jouerait une prolongation de 2 fois 15 minutes. C'est d'ailleurs depuis 15 minutes que le match a commencé, toujours 0-0. Marseille, je vous le rappelle, en maillot blanc culotte blanche. En maillot bleu, culotte noire, les Yougoslaves de Dynamo de Zagreb. J'imagine que tout Marseille et toute la région doit suivre avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Évidemment, les Marseillais ne sont pas favoris dans ce match retour de Coupe des Coupes. Mais on ne sait jamais en football, une surprise est toujours possible. Neuvy, en position d'ailier droit, donne à Lopez. Centre de Lopez sur la tête de Joseph, mais ce sont les Yougoslaves qui ont récupéré cette balle. Un tir trop lointain pour qu'il puisse inquiéter Escal. C'est l'ailier droit Babets, qui n'est pas habituellement le titulaire au sein de cette équipe. C'est en effet Tchelsek qui est lui grippé. Aujourd'hui, il n'a pu tenir sa place. Et c'est le jeune Babets qui tient le poste d'ailier droit. Il y a, je vous l'ai dit, dans cette équipe de Dynamo Zagreb, un très grand joueur, le numéro 4, Bellin. Il avait fait un très bon match, surtout en seconde mi-temps à Marseille. Il était libre de tout mouvement et il avait donné d'excellentes balles à ses camarades. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Mario Zatelli a donné de sérieuses consignes à ses hommes afin de tenir, de ne pas quitter d'une semelle Rudolf Bellin. Bilic. Et les Marseillais ont l'air très décontractés. Rora, qui essaie de se débarrasser de Lopez. Merchel, qui est aux prises avec Bellin. Bilic, qui va peut-être tirer du gauche, voilà qui est fait, tir contré par Zvinka. Joseph très replié. Poussé par un adversaire à donner en retrait à son gardien Escal. Ah, une très belle action est ratée de très peu par les attaquants yougoslaves. Est extrêmement glissant. Il a plu toute l'après-midi ici à Zagreb. Vous voyez que déjà les shorts et les maillots sont pleins de boue. Merchel n'arrivera pas avant Rora. C'est Rora qui a contrôlé ce ballon. Il a devant lui Odoul. Merchel s'est également précipité.
Pilić, un centre de Pilić, oh là là! Très joli centre que n'a pu reprendre Novak. Les Yougoslaves obtenant finalement un corner, alors que l'on joue depuis 20 minutes exactement, toujours 0-0. Fort bien tiré, dégagé par Escal. Talonnade de Pilić qui a donné Galchanin. L'arbitre bulgare, M. Roussev, accordant un coup franc ici, tiré par l'ailier gauche Rora. Il y a de très nombreux Marseillais dans la surface de réparation. Dupois, voyez que Escal ne veut pas prendre de risque, un tir qui peut être dangereux, il ne veut pas prendre de risque, il dégage point, il ne veut pas bloquer le ballon. Un ballon qui est très très glissant. L'équipe de Dynamo Zagreb est entraînée par Ivan Horvat, qui compte 60 sélections en équipe nationale. C'est l'ancien entraîneur de l'Eintracht de Francfort. Et il a d'ailleurs un frère, Drago Horvat, qui lui est arbitre international. Vous voyez que dans la famille, on aime le football. C'est ici Pilić. Aux prises avec Joseph. Joseph qui se replie, qui contre, ce qui permet à Machel de récupérer le ballon. Levy dégageant son camp finalement. Évidemment, les glissades gênent les joueurs des deux côtés. Hors-jeu signalé par le juge de ligne. L'arbitre n'a pas sifflé, il a laissé l'avantage. Un centre qui a été intercepté par Odoulou l'a relancé l'attaque. Marseillaise, pas pour longtemps, vous voyez que les Yougoslaves sont sur toutes les balles. Il n'y a pas un nombre public ici à Zagreb. Lopez, calmement, dégage mais pour personne, ou plutôt aussi pour un adversaire, le numéro 5, Ramiak. Donne à Gračanin, le numéro 3. Zvinka, Jules Zvinka. Il n'avait pas été très à l'aise lors du match aller à Marseille, mais je pense que aujourd'hui, il est en pleine forme, en parfaite condition physique. Et vous apercevez, non, vous ne voyez pas sur ces images, mais les supporters marseillais, car il y en a de très nombreux, il y en a 150 environ, lancent quelques pétards, des fusées. Il est évident qu'une victoire de Marseille ici à Zagreb serait une très 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 grosse surprise. Joseph, dont les 85 kilos seront très précieux aujourd'hui, surtout sur un terrain glissant, il peut secouer la défense yougoslave comme il l'avait fait à Marseille lors du match aller. Vous voyez, les Yougoslaves n'hésitent pas du tout à tirer car la balle est très glissante. Cela peut évidemment tromper le gardien Escal, qui est beaucoup plus sollicité que son vis-à-vis.
Dr Begovic. Vanet, le numéro 7 était en position d'ailier gauche et c'est Gretchanin, le numéro 3, qui a fait cette remise en jeu pour donner à l'arrière central Blaškovic. 1-2. Centre contrait, nouveau corner pour les Yougoslaves de Dinamo Zagreb qui joue, je vous le rappelle, en maillot foncé. Culotte foncée. Centre de Rora. Un contre qui aurait pu tromper Escal. Toujours les Yougoslaves en tête du ballon. Depuis quelques minutes, les Marseillais sont malmenés, évidemment, car les Yougoslaves jouent sur leur terrain. Escal, arrêtant ici un corner tiré de la droite. On joue depuis 25 minutes, toujours 0-0. Si les deux équipes étaient à égalité 0-0 à la fin de la première mi-temps, à la fin du temps réglementaire, on jouerait une prolongation. Un tir de Bellin, mais au-dessus, très nettement au-dessus. C'est assez frais ce soir à Zagreb. Les Marseillais ont abordé ce match sans complexe. Le réalisateur de la télévision yougoslave ne dispose que de deux caméras pour vous permettre de suivre cette rencontre. Odoul donnant en retrait à son gardien Escal, qui va aller jusqu'à la ligne des 18 mètres pour dégager. Il dégage très loin. Lopez. Le numéro 10, Ruth Mertel. Une série de tacles. Ah, interception de Gretchanin qui est vraiment très bon. Tire. Le numéro 8, Pilic, à côté, nettement à côté. Incontestablement, Escal est beaucoup plus sollicité que Dr Begovic, le gardien yougoslave. Et les spectateurs, ici au stade Maximir, à Zagreb, encouragent leur joueur, car il y a au bout une possible qualification pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et je dois vous avouer avoir été très étonné par l'optimisme des supporters qui voyaient une victoire de l'Olympique de Marseille. C'était très sympathique. Merchel a donné à Destrumel, le ballon est finalement sorti. Allô? Allô? Allô Paris? Allô Paris? Allô? Mademoiselle. Allô? Souvent, allô? Afin de vous permettre de suivre dans les meilleures conditions cette rencontre. Il a servi Svek, position d'ailier droit. Jolie passe en retrait. Les défenseurs marseillais s'interposant vraiment au dernier moment avant que Novak ait pu tirer. Ailier gauche, Rora.
Paris avec Lopez. Béline, le numéro 4. A servi son ailier droit. Djorkaeff donnant retrait à son gardien, escale. Vous voyez que la défense marseillaise lui porte tout le match. Elle l'a fait récemment d'ailleurs à Sedan, en championnat de France. Les défenseurs marseillais avaient bien résisté pendant 90 minutes, n'encaissant aucun but. Nous allons voir s'ils feront de même aujourd'hui, ce soir tout du moins contre Dynamo Zagreb. On ne peut pas maintenant. On est obligé d'attendre la fin du match, la fin de la mi-temps. On joue depuis 30 minutes, 29 minutes, toujours 0 à 0 entre Dynamo Zagreb et l'Olympique de Marseille. Je pense que cette mi-temps, vous la verrez en différé après avoir suivi en direct la première mi-temps, la seconde mi-temps, à 19h exactement, de 19h à 19h45. Il est toujours intéressant de se faire une idée de la physionomie de ces 45 premières minutes. Il reste 15 minutes avant la fin de cette première période. Escale, sans trop se presser. Dégage au-delà de la ligne médiane. Oui. 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 Oui, mais... Alors c'est peut-être le micro qui marche maintenant. Hein? Attends, je fais un essai. Dites-moi si vous m'entendez là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes ici à Zagreb. J'espère que le micro marche bien. C'est bon? Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue le reportage ou pas? Ah, d'accord. Eh bien, il semble que la liaison soit maintenant établie entre Zagreb et la France. Donc, nous allons suivre toujours la fin de cette première période d'une action extrêmement dangereuse menée par les Yougoslaves. Une nouvelle fois. Les défenseurs marseillais concédant un corner. 32 minutes, 0, 32 minutes de jeu, 0 à 0 entre les deux formations. La balle est sortie. Qui joue habituellement à l'aile gauche à l'Olympique de Marseille, porte ici le numéro 8. Il a voulu servir Joseph, mais Joseph n'est pas du tout parti. Et c'est le gardien d'Ep Begovic qui relance son arrière, la chaline, par l'arbitre accordant ici un nouveau coup franc pour Yougoslav. Un peu trop viril. Les défenseurs marseillais, c'était ici en l'occurrence Obi, et l'arbitre sifflant un coup franc. Qu'escale bloque pratiquement dans ses buts.
attentivement le ballon à l'autre numéro 10, Gus Mietel. Et c'est Ramiak qui a tiré ce coup franc, qui sort finalement hors des limites du terrain, qui va permettre à Escal de dégager son but. 0 à 0 alors que l'on joue depuis 34-35 minutes. Il reste donc 10 minutes avant la fin de cette première période. Vous voyez que il y a quelques flaques d'eau autour du terrain. Il a plu abondamment cet après-midi à Zagreb. C'est Lopez qui va tirer ce coup franc accordé par M. Rousset. Les Bulgares sont très méticuleux. Vous voyez les spectateurs venus ici au stade Maximir, assister à la rencontre. Novi, très joli, tir de Novi dans les bras du gardien, Dost Begovic. C'est ce que les footballeurs appellent un petit râteau, ce qu'a réussi Novi avant de tirer. La balle sortant finalement, oui, en touche, malgré la course de Pilic. Rora, l'ailier gauche. Mais il faudra tout d'abord se débarrasser de Zvinka. Il en a perdu sa chaussure, l'ailier gauche yougoslave. Loubé, très replié, interdit Merchel, qui a évité un adversaire, pas deux, puisque Lachkovic a mis cette balle en touche. L'arbitre, le juge de touche avait signalé hors-jeu sur cette remise en touche. Non, mauvaise touche plus exactement, puisqu'il l'a fait recommencer. Il n'y a pas de hors-jeu sur une remise en touche. Il y a une petite discussion entre Merchel et l'arbitre bulgare qui menace d'un avertissement. Évidemment se faire respecter sur un terrain, c'est ce que fait M. Rousset. Il s'est débarrassé de trois joueurs, un centre, mais oui, récupéré par l'ennemi. Par Gus Mietel qui a tiré. Et ce n'est pas fini puisque Rora est en position de la balle. Prise avec Lopez. Goal. 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Toujours les Yougoslaves qui attaquent par Rora, leur ailier gauche, qui revient au centre. Tir de Rora contrée. Au-dessus des buts gardés par Escal. Vous apercevez au bout le. Il semble avoir été touché par le ballon tout à l'heure. Il a dû lui couper pendant quelques secondes la respiration.
les trumelles se battent, il essaie de contrer les attaques yougoslaves. Et c'est l'arrière droit Spek qui vient centrer. Et l'autre, il est voilà, aux prises avec Lopez. Et bien pour l'instant, la défense marseillaise résiste magnifiquement aux offensives yougoslaves. Impossible de passer Lopez, Odoul, Vinka et Djorkaeff. Corner. Il a eu le but au bout du pied. Filic. Vinka a sauvé vraiment une situation extrêmement dangereuse. Nouveau corner. 3 minutes, 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Les Yougoslaves ont obtenu au moins 10 corners depuis le début de cette première mi-temps. Ils attaquent maintenant par Gračanin. Vous voyez que Gračanin n'hésite pas du tout à monter. Il est pourtant arrière-gauche. Blažković qui tire à côté, nettement à côté. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Trois minutes environ avant que cette première période ne se termine. Allons-nous assister à une petite surprise ici à Zagreb. Mais il faut de toute façon que les Marseillais marquent au moins un but pour espérer ou jouer des prolongations ou se qualifier directement pour le tour suivant. C'est un vainqueur de coupe. Mais pour cela, il faut qu'ils gagnent par 1-0 et qu'on n'est pas emporté. Remise en jeu très rapide. Gračanin pour Wout Mertens. L'arbitre accordant un coup franc pour une bousculade. Nouvelle tête de Zvinka qui écarte le danger. Joseph s'est fait prendre le ballon. Béline, attention à l'attaque de Béline. Novi. Ah, une maladresse de la part des Marseillais. Les Yougoslaves récupèrent la balle. Ils arrivent tout près des 18 mètres. Un changement d'aile. On a pu intercepter Lopez. C'est l'ailier gauche Rora qui centre une nouvelle fois. Bonnel. Il porte le numéro 9, il est avançant très pourtant, il joue très replié aujourd'hui. Loubet en position d'avant-centre, il a à sa gauche Destrumel et Merchel. Destrumel va pouvoir centrer maintenant. Voilà pour Joseph qui n'a pu prendre cette balle de la tête. Très belle combinaison de la part des Yougoslaves. Wout Mertens en position d'ailier gauche, chargé par Lopez. Un centre. Bilic a manqué de très très peu la réception et le premier but de ce match alors qu'il était tout seul devant le gardien français Fial. On joue les dernières secondes de cette première mi-temps, les deux formations sont toujours à égalité 0-0. La balle va d'un camp à l'autre, c'est le gardien Dot Begovic qui a donné à Gračanin. L'arbitre
bulgare, Monsieur Rousseff, sifflant la fin de cette première mi-temps. Et c'est une bonne surprise, les deux équipes se sont à égalité, 0 à 0 ici à Zagreb dans ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Mesdames, Messieurs, ici Zagreb, Michel Drey qui vous parle de Zagreb pour suivre en direct la deuxième mi-temps de Marseille Dynamo de Zagreb. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça marche le micro ? Merci, je démarre dans 30 secondes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un Bulgare, Monsieur Rousseff, qui va arbitrer la rencontre que vous allez pouvoir suivre en direct dans un instant. Il est exactement 19h ici à Zagreb, la deuxième ville de Yougoslavie après Belgrade. Nous sommes au stade de Maksimir pour assister à la deuxième mi-temps de la rencontre Dynamo Zagreb Olympique de Marseille. Match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et je vous donne tout de suite le score à la mi-temps. Les deux équipes sont à égalité 0 à 0. Je vous donne un autre résultat à un quart d'heure de la fin, un match qui vous intéressera certainement. En Coupe d'Europe, les clubs champions, Saint-Étienne et Legia de Varsovie sont également à égalité 0 à 0. Pour en revenir à ce match que nous allons suivre en direct, ou du moins la deuxième mi-temps, il faut tout d'abord vous signaler que lors du match aller disputé au stade Vélodrome le 13 novembre, les deux équipes avaient fait match nul 1 à 1, but de Louvet et de Terzek. Autant dire que les Yougoslaves étaient favoris pour la qualification au prochain tour. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les buts marqués à l'extérieur comptent double. Je vous donne maintenant la composition des deux équipes. Les Yougoslaves de Dynamo de Zagreb jouant à gauche en maillot bleu culotte noire, donc foncé sur votre écran. Dans les buts, Dote Begovic, à l'arrière numéro 2 Svek, numéro 5 Ramiak, numéro 6 Blaškovic, numéro 3 Gračanin. En milieu de terrain, Belin, le 4, un joueur qu'il faudra suivre tout particulièrement. Gutmirtel, le 10. Piric, le 8. Attaquant de droite à gauche, Vabet, numéro 7, Novak, 9, Rora, 11. Pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, dans les buts, Escal, qui attend ici le ballon. À l'arrière, numéro 2, Lopez, 3, Odoul, 4, Jules Vinka, 5, Djorkaev, capitaine. En milieu de terrain, 6, Novi, 7, Merchel. Attaquant, numéro 8, Loubé. Numéro 9, Bonnel. Numéro 10, Joseph. Numéro 11, Desumel, remplaçant Delaché, Casolari et Scotty. Dans l'équipe de Zagreb, par rapport à la formation qui a joué à Marseille, il y a deux changements. Et après avoir entendu la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille, vous avez remarqué qu'il manquait deux noms célèbres, Roger Magnusson et Josip Skoblar. Magnusson est toujours blessé au genou. Une blessure contractée lors du match Suède-France au Parc. Il est en ce moment à Paris entre les mains du soigneur Émile Vanneau. Et puis Josip Skoblar, transféré à Marseille le 11 novembre. Eh bien, le règlement de la Coupe d'Europe ne lui permet pas de participer à ce match. En effet, le règlement stipule qu'aucun joueur ne saurait être qualifié pour une compétition internationale. Alors que vous voyez ici Djorkaeff, aux prises avec l'ailier droit yougoslave Vabet. Aucun joueur ne saurait être qualifié pour une compétition internationale sans avoir entamé la saison avec son club. C'est le gardien yougoslave Dote Begovic qui vient de dégager son camp. Je vous rappelle que ici à Zagreb, au stade Maksimir, deuxième mi-temps, que nous suivons en direct de la rencontre Dynamo Zagreb Olympique de Marseille, les deux équipes sont à égalité 0 à 0. Une attaque menée par Joseph qui a voulu servir tout du moins Jules Vinka. Se montre, semble-t-il, très offensif. Loubet, contré par Pelic.
Et c'est l'ailier gauche Rora qui relance l'offensive yougoslave en tentant de déborder les défenseurs marseillais. Une défense qui a été mise très souvent à contribution au cours de la première mi-temps. Mais Lopez, Ozul, Vinka et Djorkaeff ont toujours repoussé les nombreuses attaques menées par les Yougoslaves. Nouveau corner, il y en a eu au moins 15 en première mi-temps. Pour que Marseille soit qualifié, il faut tout simplement qu'il gagne 1-0, mais un match nul suffirait aux Yougoslaves pour jouer, pour passer encore un tour. Il y a un joueur qui semble touché, vous voyez que l'arbitre et les Marseillais se sont précipités. C'est Merchel qui a l'air touché, il est entouré par ses camarades ainsi que par les deux arbitres. Monsieur Rousseff, assisté de Monsieur Guérosse et Nikolov. Espérons que cette blessure, non, il a l'air touché derrière la tête, il n'a pas l'air trop grave heureusement. Il a plu toute l'après-midi ici à Zagreb, évidemment le terrain est très glissant, une action très dangereuse ici. Qui sort le ballon sortant hors des limites, l'arbitre accordant un corner. On joue en deuxième mi-temps depuis 4 minutes, toujours 0-0. Alors qu'à Saint-Étienne, il reste environ 10 minutes à jouer, les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Et c'est une surprise car on pensait que les Stéphanois pourraient se qualifier assez facilement. Pour l'instant, c'est l'ailier gauche yougoslave Rora qui multiplie les attaques. Merchel, qui a semble-t-il récupéré, dégage ici son camp. Le ballon étant une nouvelle fois récupéré, un tir très joli. Mais Escal a fait une très bonne première mi-temps. Il n'a pas été trompé une seule fois et pourtant les Yougoslaves ont tiré très souvent au but. Il a une nouvelle fois ici arrêté cette balle, une balle qui est parvenue dans les pieds de Pilic. Blažković. Un tir, mais à côté. Au match aller, je vous l'ai dit, disputé le 13 novembre dernier au Stade Vélodrome, les deux équipes avaient fait match nul un partout. Excellent technicien, les Yougoslaves, après un début de match hésitant, dominèrent nettement la rencontre, en seconde période surtout, asphyxiant littéralement les Marseillais grâce à une circulation de balles très rapide et un sens très poussé du démarquage. Ah, les deux Marseillais se sont un peu gênés, Djorkaeff et Merchel, et c'est finalement Speck qui a récupéré le ballon pour le donner à Rora. Au cours de la première mi-temps, on n'a pas vu très souvent Rudolf Bellin, l'une des vedettes du football yougoslave et le capitaine de cette formation de Dinamo de Zagreb. Il est vrai qu'il est beaucoup plus marqué qu'à Marseille. À Marseille, il était libre de tout mouvement. Il avait pu servir dans d'excellentes conditions ses partenaires. Mais aujourd'hui, Merchel notamment le suit de très près. Gosmiertel pour Rora, centre de Rora. Le réalisateur de la télévision yougoslave dispose de deux caméras pour vous permettre de suivre en direct cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui a commencé depuis 7 minutes. Les deux équipes étant toujours à égalité 0-0. Il est évident que les Marseillais ne sont pas favoris ce soir. Mais néanmoins, les Phocéens ne s'avouent pas pour autant battus. Comme le montre ici Joseph et Djorkaeff qui ont été... Oh là là ! Premier but ! C'est centre de l'ailier droit
Slaves se félicite. C'est l'avant-centre Nova qui a réussi ce premier but à 7 minutes, après 7 minutes de jeu en seconde période. Alors qu'il s'est remis à pleuvoir au stade de Maximir, les spectateurs ont ouvert leur parapluie. Donc ici à Zagreb, Dynamo Zagreb mène par 1 à 0. Le but, vous venez de le voir, a été marqué par l'avant-centre Novak sur un très joli centre de l'ailier droit Vabet. Le terrain est très glissant, il est évidemment difficile de contrôler le ballon. Et le public maintenant encourage son équipe, car au bout du match, il y a la qualification. Vabet, qui n'est pas habituellement le titulaire au poste d'ailier droit, en effet, le titulaire, Sertek, est grippé. Il n'a pu tenir sa place aujourd'hui. Novi, vous voyez que les maillots et les culottes sont maculés de boue. Supporters sont venus ici à Zagreb encourager Djorkaeff et son équipe. Et je suis persuadé que si les Marseillais avaient obtenu un meilleur résultat au Stade Vélodrome, les supporters seraient ce soir beaucoup plus nombreux. 200 personnes, ce n'est peut-être pas énorme, mais je dois vous avouer qu'hier soir, dans la rue principale de Zagreb, on se fait cru à la canne-bière, c'était d'ailleurs très sympathique. Nouvelle attaque menée par Dynamo de Zagreb en position d'ailier droit. Trek qui a tiré pleine course. Escale ayant ici détourné en corner. Kiri. Alors que j'apprends qu'à Saint-Étienne, contre toute attente, Legia de Varsovie vient de marquer un but. Donc les Stéphanois sont pratiquement éliminés de la Coupe d'Europe. Il ne doit pas rester très longtemps à jouer à Saint-Étienne. Vous voyez, le score pour les deux rencontres est le même jusqu'à présent. À Saint-Étienne, les Stéphanois, les champions de France, sont menés 1-0. Ici à Zagreb, l'Olympique de Marseille est également mené 1-0. J'ai l'impression que les deux buts ont été marqués pratiquement à la même heure, à la même minute. Les Marseillais réclamant ici un pénalty pour une main d'un défenseur yougoslave dans la surface de réparation. Les Marseillais contrôle le jeu pour l'instant par Bonnel, qui donne très calmement à Djorkaeff, un centre de Djorkaeff pour Joseph. C'est finalement le gardien Dostbegovic qui dégage son camp. Interception de Speck, qui joue beaucoup plus souvent au milieu du terrain, lui qui est arrière droit. Et voici Bellin. Rêve au centre de Bellin, un tir en pleine course de Pilic. Vabet, centre contré par Djorkaeff. Le capitaine de l'Olympique de Marseille ne lâche pas son ailier d'une semelle. Alors que Vabet veut remettre cette balle en jeu, l'arbitre, Monsieur Rousseff, est allé voir le joueur, mais comme il n'avait pas grand-chose, heureusement, il a laissé jouer. Joseph, une deux. C'est finalement Merchel qui a hérité de cette balle pour Loubet en position d'avant-centre. A voulu servir Joseph. Très bien joué.
Les Marseillais, vous le voyez, prennent des risques. Zinka se montre très offensif. Loubet, bousculé, bénéficie d'un coup franc. Alors que l'arrière droit, Fek, se fait réprimander par l'arbitre. Si les Marseillais réussissaient à marquer un but, eh bien, il pourrait discuter une prolongation de 2 fois 15 minutes à la fin du tour réglementaire si les deux équipes étaient à égalité, un partout. Quatorze minutes de jeu, toujours 1-0 pour Dinamo de Zagreb. Le but a été marqué à la 7e minute par l'avant-centre Novak. Reprise de volée de Loubet. Joseph a, semble-t-il, bousculé le gardien Dostbegovic. Il ne l'a pas fait volontairement. Mais l'arbitre est néanmoins venu le voir. Évidemment, quand on pèse 85 kilos, peut-être même plus, pour 1m80, on doit secouer la défense. Et M. Rousseff tisse toutes les fautes commises par les joueurs ici au stade Maximir. Car évidemment, pour un match de cette importance, il faut se faire respecter. Nouveau corner obtenu par les joueurs yougoslaves, un centre de Vabet. Merchel, très bien joué, il a donné à Loubet. Loubet a devant lui Joseph, à sa droite Bonnel. Il reste 30 minutes à jouer. Et j'apprends qu'à Saint-Étienne, le match est maintenant terminé. Les Stéphanois ont été éliminés de la Coupe d'Europe. Legia de Varsovie ayant, je crois, remporté le match par 1-0. C'est une grosse surprise, 1-0 à Saint-Étienne. On pensait que la tâche serait beaucoup plus facile. Une attaque de Bellin qui a donné à Pilic 1-2. Il y a une sérieuse discussion entre Zvinka et l'arbitre bulgare, qui accorde un nouveau coup franc à 25 mètres environ, début gardé par Escal. Escal qui ne s'est incliné qu'une seule fois, 7 minutes après la reprise, sur une tête plongeante de Novak, qui a amené le premier but des Yougoslaves. Fort bien servi! L'ailier gauche Rora a envoyé cette balle sur la barre transversale, après ce coup franc tiré par Bellin. Très bien tiré d'ailleurs, qui a levé toute la défense marseillaise. La défense marseillaise qui avait été mise à rude épreuve dimanche dernier en championnat contre Sedan, eh bien ne chôme pas aujourd'hui, elle est encore sérieusement sollicitée. Ici par l'arrière-gauche Vec, qui est beaucoup plus souvent en position d'ailier droit qu'à son poste. Minutes de jeu, toujours 1-0 pour Dinamo de Zagreb. Il pleut, la pluie avait plu toute l'après-midi ici à Zagreb, le terrain était donc très glissant, et bien il se remet à pleuvoir. Il faut donc se cramponner pour ne pas glisser, c'est ce que font les 22 acteurs de cette rencontre. Ce tir n'inquiétant pas du tout Escal. Bonnel a donné Lopez. Bonnel a récupéré le ballon. Il a à sa gauche Joseph. Il va faire donner à droite. Loubet, centre de Loubet. Je...
Kozatsky a voulu faire une tête alors qu'il avait peut-être la possibilité de tirer. C'est une belle occasion manquée par les Marseillais. C'était, je crois, la première action très dangereuse des Marseillais. Mais déjà, le ballon est dans le camp marseillais. La défense éloignant le danger par Merchel. Loubet n'est pas attaqué. Si, maintenant, il se débarrasse d'un adversaire. Il donne sur sa droite. Destrumel, centre de Destrumel. Encore Joseph qui a voulu contrôler la balle de la poitrine. Il a perdu quelques secondes. Deux occasions, très belles occasions manquées par les Marseillais. Mais il est évidemment difficile de contrôler le ballon dans ces conditions car la balle est très glissante, le terrain également. L'ailier gauche, Rora, se fait prendre ici le ballon. Merchel maintenant. Novi. Destrumel. Dynamo de Zagreb a toujours formé de très grands joueurs qui ont souvent quitté la Yougoslavie pour jouer à l'étranger. Il est d'ailleurs fort possible que Rudolf Belin, qui porte, je vous le rappelle, le numéro 4, vienne jouer en France ou en Belgique la saison prochaine. Je crois que l'Olympique Lyonnais était particulièrement intéressé par ce joueur. Un très grand joueur, actuellement l'une des vedettes du football yougoslave. Il pleut de plus en plus fort ici à Zagreb. Le score reste inchangé, toujours 1-0. Alors que l'on joue depuis 20 minutes en deuxième mi-temps, il reste encore 25 avant que l'arbitre bulgare, M. Rousseff, ne siffle la fin de cette rencontre. A été joué assez rapidement, contré par les défenseurs. Le Marseillais Merchel a voulu servir Bonnel. Pilic. Zinka. La balle n'est pas sortie puisque Bonnel l'a récupéré. Donne gentiment à Djorkaeff. Djorkaeff, le capitaine de l'Olympique marseillais, capitaine également de l'équipe de France. Merchel s'est précipité pour tenter de contrer Bellin, le numéro 4, un joli centre brossé. Qui sort en corner. Un corner que va tirer le numéro 4, le voici d'ailleurs Bellin. Il a l'habitude justement de brosser ses balles. Regardez bien. Etcal est sorti juste à temps pour se dégager du point, des deux points. Il ne veut pas prendre de risque. Une balle, la balle est tellement difficile à contrôler qu'il vaut mieux justement ne pas essayer de la bloquer. C'est ce que fait Etcal depuis le début du match. Destrumel, Bonnel. A servi Merchel en position d'ailier gauche. L'arbitre a sifflé avec un léger retard, accordant un coup franc au Marseillais. Merchel s'est relevé. Vous voyez l'arbitre bulgare, M. Rousseff, il est assisté aujourd'hui de deux compatriotes, M. Gerov et Nikolov. Et c'est Merchel lui-même qui va tirer ce coup franc. Dans la surface de réparation, il y a bien sûr de très nombreux Bulgares, de très nombreux Yougoslaves, pardon, mais également Bonnel, Joseph, qui va peut-être
Non, vous voyez, Joseph n'a pu récupérer ce ballon. Djorkaeff. Interception. Bellin. Quelle facilité. Délié droit. Babette. Aux prises avec Zinka. Avec Odoul exactement. Il peut quand même centrer, mais derrière les buts gardés par Edgal. Vous voyez que Odoul a terriblement gêné l'ailier droit Yougoslav Babet. Cela ne lui a pas permis justement de centrer dans d'excellentes conditions. Cette équipe de Dynamo Zagreb est très jeune, les plus âgés sont Gut Mirtel, qui a 27 ans, Bellin, 27 ou 28 ans également, et le gardien Dodbegovic, 26, tous les autres ont entre 22 et 24 ans. Novi, Merchel. Ah, Djorkaeff n'a pu reprendre cette passe de Merchel, et c'est une nouvelle fois. Le numéro 8 qui a... Non, il n'a pas poussé la balle en corner, c'est un défenseur marseillais, donc un corner accordé par l'arbitre. On joue depuis 24 minutes en seconde mi-temps. Les Yougoslaves de Dynamo de Zagreb menant toujours 1-0. Sortie d'escale qui relance aussitôt le jeu en donnant à Merchel. En jeu de Joseph, oui, le juge de ligne était fort bien placé. Il y avait 2 mètres entre Joseph et puis les défenseurs yougoslaves. Schweck. Il vient très souvent appuyer les attaques de ses camarades, de même que l'autre arrière-gauche, Gračanin. Le numéro 3, Gračanin, qui avait fait grosse impression lors du match aller à Henri Biancheri, un footballeur que les amateurs de ballon rond connaissent bien. Il avait été très bon à Marseille et après avoir enrayé les attaques de Magnusson, il participait très souvent aux offensives de ses attaquants et aujourd'hui il est également très bon. Il ne commet pas la moindre erreur. La défense marseillaise est également très sollicité, pourtant elle s'en sort bien. Elle s'est inclinée une seule fois sur un tir sur une tête de l'avant-centre Novak. Hors-jeu signalé par le juge de ligne. La tactique de l'Olympique de Marseille était évidemment très simple. Resserrer la défense et guetter l'ouverture pour permettre à Loubet, à Joseph ou Bonnel d'exploiter la moindre faute. Mais évidemment, le défenseur yougoslave ne semble pas vouloir en commettre aujourd'hui, car il y a à la fin du temps réglementaire la qualification pour le prochain tour de la Coupe des vainqueurs de coupe. En football, rien n'est impossible. Ah, Bilic a manqué une très belle occasion. Un centre, un nouveau dégagement d'escale, des deux points. Ce tir yougoslave passant très nettement au-dessus de la barre transversale. Il fait quand même assez frais ici à Zagreb. Cela doit peut-être gêner les 22 joueurs, mais c'est surtout la pluie et le terrain très glissant qui doit handicaper les Yougoslaves et les Français. Merchel, suivi par l'arbitre. Mauvaise passe. Un tir de Gut Mirtel, mais une nouvelle fois à côté. Je ne pense pas qu'un défenseur marseillais ait pu dévier le ballon. Pas du tout, puisque vous voyez, Edgal dégage au 6 mètres.
les maillots blancs des joueurs de Marseille ne sont pas restés blancs très longtemps. Ils sont maintenant maculés de vie. 28 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Dinamo Zagreb. Je pense que les Marseillais, les supporters de l'Olympique de Marseille doivent suivre avec beaucoup d'attention ce match de retour de la Coupe des vainqueurs de coupe. Pour l'instant, les Marseillais sont éliminés, mais je vous le disais, en football, on ne sait jamais. Bellin, après avoir franchi la ligne médiane, s'est débarrassé de Doul, un tir très près des poteaux. Très joli tir et pourtant il n'était pas en bonne position. Il était marqué de très près par Odoul. Il a pu quand même tirer. Un rater, un tir tendu. Dégagement d'Escale qui porte un très joli maillot vert, qui portait un très joli maillot vert car maintenant il n'a plus sa belle couleur. L'arbitre sifflant, oui, pour cette bousculade. Merchel, qui voulait tout simplement faire une tête. À 25 mètres, c'est un sifflant bien placé. En face des buts, gardé par Escale. Il y a seulement Joseph qui est resté en pointe. Tous les autres Marseillais sont dans la surface de réparation. Un tir de Pilic, mais une nouvelle fois à côté. 30 minutes de jeu maintenant en deuxième période, toujours 1-0 pour Dinamo de Zagreb. Je pense que les Marseillais vont maintenant prendre des risques car évidemment, si ce score ne changeait pas, ils se verraient éliminés. Ils ont donc intérêt à mener de nombreuses attaques afin de pouvoir tromper une défense yougoslave. Non, il semble que ce joueur ne soit pas sérieusement blessé, heureusement. Il va pouvoir reprendre sa place, aidé pourtant par les soigneurs qui s'étaient précipités. Là, il est porté quand même sur la touche. Bellin tirant ce coup franc accordé par l'arbitre. La tête dans les bras d'Escale. Tête de Rora, une nouvelle fois Escale bien placée. À enrayer. Long transversal de Louvet, c'est Djarkaeff en position d'ailier gauche. Ah là là, qui s'emmène un peu les pieds. Il a voulu servir Joseph, mais évidemment, il n'a fait gagner à personne. L'ailier gauche, l'ailier droit Babet est maintenant revenu sur le terrain. Ce n'était pas très sérieux, cette blessure, heureusement. Il a repris sa place à l'aile droite. Il boitille quand même un petit peu. Les Marseillais ont manqué une très belle occasion ici par Djarkaeff. Tire de Loubet, bel arrêt du gardien Dodge Begovic. Vous voyez, ils ont en effet raison les Marseillais de tirer de loin, car avec une balle aussi glissante, on ne sait jamais. C'est un excellent gardien, Dodge Begovic. Il avait fait un bon match à Marseille. Vinca,
pour avoir fauché un adversaire sur tête d'un coup franc. Bellin et Merschel, ah, les deux hommes ne se quittent pas, ou tout du moins Merschel ne quitte pas Bellin. La balle est sortie et remise en jeu pour les Marseillais. Minutes de jeu, toujours 1-0 pour Dinamo Zagreb. Beck directement au gardien. Évidemment, la Yougoslave gagne du temps. C'est de bonne guerre. Je pense que les Marseillais en auraient fait autant. Et il pleut toujours ici au stade Maksimir à Zagreb alors que le score reste inchangé 1-0 pour les Yougoslaves. Nouveau tir contré. Il faut que les Marseillais jouent vite, très vite, pour pouvoir inquiéter la défense yougoslave. Vigilant, très vigilant depuis le début de la rencontre. Jorka n'avait pas voulu servir Joseph. Ah, les deux joueurs. Joseph avec l'arrière central yougoslave Ramiak. Les deux joueurs sont bousculés, l'arbitre n'a rien dit. Bellin. Et c'est en retrait que Zvinka a donné à son gardien. Zvinka récupérant la balle qu'il a voulu. Oui, il a servi. Loubert qui a retrouvé lui son poste d'ailier gauche, pas pour longtemps, puisqu'il revient au centre. Change complètement d'aile. Des semelles. Je vous rappelle que les Marseillais sont privés de deux joueurs. Roger Magnussen, toujours blessé au genou. Et Josip Skoblar, que le règlement européen n'autorise toujours pas à disputer une compétition internationale. Minutes de jeu, encore 10 minutes avant la fin du temps réglementaire et pour l'instant les Yougoslaves de Dinamo Zagreb sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe alors que je vous le rappelle, à Saint-Etienne, les Stéphanois ont été éliminés par Legia de Varsovie, les Polonais remportant une victoire inattendue par 1-0. Vous voyez qu'en football, il ne faut jamais faire de pronostics, c'est qu'un match n'est jamais gagné d'avant. Bellin, très bon technicien, il donne en retrait Speck, centre de Speck, aux deux retournées manquées des attaquants yougoslaves, surtout Novak, Rora récupère le ballon en position d'ailier gauche. 7 pour dégager le camp marseillais, encore Bellin, il est vraiment sur toutes les balles. En deuxième mi-temps, il est bien meilleur, le Yougoslave Bellin. Ce serait vraiment une bonne opération pour un club français si ce joueur pouvait venir disputer le championnat de France. Il reste 9 minutes avant la fin de cette rencontre. Rora, des semelles, a eu le dernier mot puisqu'il a récupéré le ballon. Merschel. Djorkaeff a voulu servir Joseph. Dégagement de la tête. Les Marseillais ont quand même récupéré le ballon. Novi. Il va peut-être relancer Djorkaeff. Voilà qui est fait. Mais il y a toujours un défenseur pour arrêter, pour enrayer les attaques marseillaises. Svek. Novak, l'avant-centre dont on ne voit plus le numéro. Tellement il est maculé debout. Ah, les deux joueurs se sont tenus. L'arbitre accordant un coup de franc à l'Olympique de Marseille. Il pleut sur Zagreb.
Escale récupérant ce ballon qu'il va pouvoir dégager dans les pieds de Neuvy. Tête de Neuvy qui arrive à Joseph de prendre la balle. Il n'a pas été très heureux, Joseph, depuis le début du match. Il a eu deux belles occasions qui auraient pu amener un but. Et pourtant, avec ses 85 kilos, il devrait pouvoir secouer la défense yougoslave. Il l'avait déjà fait lors du match aller au Stade Vélodrome. Merchel. Ah, il n'a plus contrôlé ce ballon, Charlie Loubet. Ce sont d'excellents techniciens, ces Yougoslaves. Ils l'ont prouvé à Marseille, ils le prouvent encore ce soir. Évidemment, ils gagnent du temps, une occasion dans la surface de réparation. C'est Bonnel, très replié. Il a voulu donner à Merchel. Décidément, les Yougoslaves sont sur toutes les balles, ils se battent. Tire. Le ballon parvenant dans les bras d'Escale qui relance aussitôt en voulant servir Djorkaeff. Loubet. C'est finalement Joseph qui récupère cette balle, le donne en retrait. Dans les 18 mètres, il y a Loubet, il y a maintenant Djorkaeff qui n'a pu récupérer ce ballon de la tête. Neuvy court, mais voyez, les Yougoslaves font circuler le ballon, ils savent se démarquer toujours. Méline. Arrêté par Bonnel, conserve le contrôle de la balle. L'arbitre, après avoir laissé jouer, accorde quand même un coup franc. Très juste. Le numéro 4, Béline, a tiré ce coup franc. Et c'est maintenant que les Marseillais attaquent, ils ont peut-être l'occasion de réduire l'écart, de marquer, d'égaliser par Joseph. Joseph qui a donné Odoul. Odoul qui vient appuyer ses attaquants. Bonnel donne sur la droite. Lopez. Centre de Lopez. Il y a Joseph et mais le gardien Sofegovic est intervenu. Il est vraiment très difficile à tromper. Il y a les défenseurs et puis surtout l'ultime rempart, le gardien, qui est très bon. Djorkaeff bénéficie d'un coup franc, nous allons le voir. Oui, vous voyez, les Marseillais prennent des risques car ils sont très nombreux en attaque. Joseph donne en retrait. Mais il y a toujours un Yougoslave pour récupérer le ballon. Wout Mertel. Piric en retrait, Blaškovic. 4 minutes avant la fin de cette rencontre, je vous rappelle que l'Olympique de Marseille est mené par 1-0, puis marqué 7 minutes après la reprise, après le début de la deuxième mi-temps, par l'avant-centre Novak. Belle action menée par les Marseillais qui ont très bien circulé le ballon. Loubet, une action peut-être dangereuse. L'arbitre intervenant très rapidement. Il accorde un coup franc, mais au Yougoslave, à Dinamo Zagreb. Évidemment, un pénalty aurait bien arrangé les choses des Olympiens. Mais M. Joussef a décidé autrement. De toute façon, il n'y avait pas faute ici. Du moins la faute qui n'était pas flagrante pour obtenir un pénalty. 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, je vois quelques spectateurs qui déjà se sont levés. Avec, ils conservent le ballon, les Yougoslaves, car dans 3 minutes, ils seront qualifiés en coupe des vainqueurs de coupe.
cette équipe de Dynamo de Zagreb occupe toujours le haut du classement. Une attaque menée par les Dédrois. Babès, interception. Zinka donnant à Benel. Benel, Merchel en position d'ailier gauche. Très bien joué de la part de Merchel qui donne à Novi. Novi change complètement d'aile. Destremel va pouvoir centrer puisqu'il n'est pas attaqué maintenant. Centre de Destremel. Il y a Joseph de la tête dans les bras du gardien d'Otbegovic. Mais je vous disais que c'est un club, le Dynamo Zagreb, qui occupe toujours le haut du classement dans le championnat yougoslave. Mais ils n'ont pas remporté le titre depuis de nombreuses années, depuis 1958 exactement. Une minute, deux minutes peut-être à jouer avant la fin du temps réglementaire. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Et je ne pense pas que le score puisse changer. Piric. Rora, centre de Rora. Vinka a dégagé son camp vraiment à la dernière seconde. Alors que Novak était fort bien placé pour reprendre ce centre de Rora. Pilic, le numéro 8, prise avec Merchel, serre son ailier droit, Vabès qui va centrer. Qui va centrer, et c'est le deuxième but. Encore de l'avant-centre. Novak qui donc marque deux buts. C'était exactement la même phase de jeu, un centre de l'ailier droit Vabès, une reprise de l'avant-centre Novak. Il reste vraiment quelques secondes avant la fin de cette rencontre. Les Yougoslaves donc se qualifiant pour le prochain tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe. L'arbitre, Monsieur Rousseff, de nationalité bulgare, qui font ici la fin de la rencontre. Je vous rappelle qu'ici, au stade Maksimir à Zagreb, Dynamo de Zagreb a éliminé Marseille en remportant cette rencontre par 2-0. Et je vous rappelle un autre résultat à Saint-Étienne. Les Stéphanois, champions de France, ont été éliminés par Legia de Varsovie. C'est une mauvaise soirée pour le football français. Ici Michel Drey qui vous parlait de Zagreb. À vous, Paris.